tout fait 6 mois grève, personne pas relève parce que c'est super chef là que t'es balayé même secteur politique yo. On revient donc pas relève. Et c'est justement ça qui est très dangereux. Nous pas venir sur ça. Mais Peggy, question arrêter ça, faut que nous signaler parce que quand même nous en pile réaction dans la presse sous question arrêter ça qui sortit et qui mandé désormais personnalité avec institution qui pourra bénéficier de subventions dans l'administration publique là, eh bien, gon forme pour sa fête, faut que qu'on ait qui institution, qui personnalité, pour qui projet, et puis faut voyer copio dans la présidence, qui au même a fait le sorti dans le journal officiel pays à le moniteur, en façon pour qu'on ait si X institution te recevoir 50 goud pour te faire telle activité, eh bien, pour pays à, non seulement qu'on ait ça, et vérifier que l'activité ça a été faite. Il y a des gens qui estiment son gros coup pour les parlementaires et d'autres personnalités, parce que Jean-Sot a signalé la rubrique subvention à l'administration publique, la son rubrique généralement à 90-95%, c'est gagote, 10 ans, 1000, 10 familles, etc., et qui fait la dernière, c'est comme ça y est généralement. Et nous, ouais, tout pendant qu'on a parlé de ça, et depuis deux dernières semaines, sur les réseaux sociaux, on liste de 4 pages, et le pas exhaustif, vous avez dit qu'il y a pas là-dedans, de personnalités avec institutions qui bénéficient de subventions, notamment de BMPAD. C'est pas 2 millions de gouttes Peggy, et pas gagné plus petit que 500 000 gouttes. Mm-hmm. C'est 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions, 1,5 million. Et il y en a là, d'ailleurs, on doit susciter un pile réaction sur les réseaux sociaux. C'est 1 million 500 000 gouttes. NDDH ta recevoir et réseau national défense de monde bagage ça a suscité un pile réaction. On lui a dit pas qu'à quoi bagage ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Guerrier Henri Tego entrevue avec Lionel Gilles, avec Marie-Hélène Gilles qui dit lui-même il est pas au courant de question ça. Il a écrit pour demander explication et sous chèque ça 1 500 000 gouttes de subvention que RNDDH ta recevoir de BMPAD. Donc un pile mon estimé son véritable tête chargé parce que pas quoi RNDDH t'a inscrit l'on démarche comme ça. Donc Peggy, question subvention en d'administration publique là son gros tête chargé et parlementaire yo pral gen plein la caillou certes c'est ça n'a pas parlé samedi avec Guy. Nous ta doit gen exercice inverse la cap fait ou ta doit gagner exécutif la cap engager des dépenses cap appliquer exécuter des projets. C'est le pouvoir exécutif, c'est sa mission, c'est son rôle. Et vous jouez le parlement cap contrôler, voilà que vous jouez effet inverse là côté gain suspicion ak bagay gon fait ou mom contrôle. Donc ça vraiment et en tout cas gain travail pour moun kap fait et administration publique yo, moun kap fait droit yo tout pour regarder parce que les pouvoirs les rôles sont pratiquement inversés ak réalité côté que jouez le parlement qui n'a exécutif qui mettait ministre pouvoir de contrôle là vraiment pas existé. Donc question subvention d'administration public là jodi a Peggy en pile moun a réfléchi jodi a on va al bay un projet et est-ce que projet ça le pral fait vrai ou est-ce que le pat a fait. Donc gen réflexion qui a fait et président Jovenel Moïse dans intervention il te fait sous question ça clair et maigre sous pays a doit servir pour bay population en service et non pour faire affaire au monde ou bien quelques grain monde. Bon, on souhaitait que discours ça les passer de la parole aux actes, l'on considérer niveau de corruption qui gagne depuis de longues années au niveau de l'État, au niveau des institutions publiques. Moi, France, il y a un terme que je répétais en pile ces derniers temps, c'est question amont-aval. Je pense que c'est d'abord une bonne mesure qui est capable d'avoir un certain impact dans le cadre de lutte contre la corruption. Pourvu que l'appliquer vrai. Oui, mais je pense que nous sommes capables de plus en profondeur. Parce que qui est-ce qui accorde Kobio? Alors, qui est-ce qui a alloué Kobio? C'est l'État à travers le budget qui est la loi des finances qui est en vigueur chaque année pour un exercice fiscal. C'est l'État, c'est l'exécutif. Et d'abord, ensuite c'est le Parlement et qui gagne pour lui voter loi de finances. Là, moi, je pense que fondamentalement, question subvention, comme nous conscients que son gargote, son véritable gargote de Kadil, eh bien, si l'État, à tout bon vœu, voulait lutter contre la corruption, je pense que nous sommes capables de cerner les problèmes en amont et assurer que question ministère, ça gagne 5 millions, ça gagne 20 millions, ça gagne 200 millions, ça, etc. Pendant que gagne des devine allocation et agit sous lui. Absolument. Devine allocation portefeuille et rubrique de subvention et agit sous lui. Absolument. Diminuer ou bien retirer. Retirer. En pile côté ou qu'a retirer, c'est ça qu'a dit en amont, c'est à la ça. Base, c'est à ça. La base même ou qu'a aller là. C'est parce ça. Que l'agence exécutif qui percevoir lui à travers des institutions dont la DGI et la douane et Parlement.
parlement pour voter loi de finances là. Donc moi pense que gagner sauf pour une institution tant que CAS Funds, ministère affaires sociales, parce que son ministère que n'ta doit chita pour nous permettre de jouer véritable rôle que l'ta doit jouer dans la société hein. Mm-hmm. Pour qu'il sa subvention à tout bout de champ tout institution gain subvention. Donc il vient un véritable désordre et il n'est pas fait au bénéfice de la collectivité. Donc je pense que dans le cadre d'une lutte efficace contre la corruption, on aurait pu aborder, on aurait pu adresser le problème à la base. C'est ça. Et puis il faut signaler tout. Et question corruption, pas lié seulement à café subvention. C'est vrai, subvention généralement, il y a un parlementaire, il y a un élément classement, il y a un petit projet, il y a l'autre monde qui connaissait, il y a un petit cobladen. Mais l'important tout pour le gouvernement, font garder les grosses légumes du secteur privé. Là, on a parlé de la grande contrebande Bégui, on a parlé de la grande corruption à travers les franchises qui connaissent de manière en veux-tu, en voilà, qui viennent faire que un petit clic moun qui effectivement un paquet de privilèges sur le plan commercial et puis c'est moi-même à voler à l'acheter qui paye pour casser ya. Donc il est important que l'État veille sous ça tout pour que pendant APC FM va non côté et puis l'autre côté yo quitte le grand Louvre et puis l'a coulé. Donc c'est important que vous veillez sur tous les fronts pour que en dans l'État question subvention faut regarder j'en l'a fait c'est très bien mais au niveau du secteur privé des affaires effectivement faut que regarder est-ce que monsieur dame yo paye taxe faut payer taxe faut que regarder sous frontière yo qui contrôle l'État exercé justement parce que là question contrebande non et tout rapport au public c'est des centaines de millions de dollars que Haïti perdu chaque année dans la question contrebande et notamment sous frontière. Mm-hmm. Donc le trésor public perdu. Donc c'est l'argent que Dado qui Dado investi pour que question l'hôpital pas gagne un gant, pas gagne un toile gaz, etc. Moun kap mouri dans service dialyse. Nous, il y a un minimum d'efforts qui a été fait par la présidence il y a deux semaines, mais qui est nettement insuffisant par rapport aux besoins, justement. Donc, je pense que donc, si nous voulons chita comme pays, mais naturellement, il y a des gens qui dit que ça n'a pas vivre là, yo. Par exemple, ça gagne le Parlement. Alors, il y a un auteur qui dit que quand le peuple choisit des imposteurs, des renégats, etc., etc., donc ce peuple corrupteur, pour placer, le peuple les choisit et les place au timon des affaires de l'État, ce peuple n'est pas victime, il est tout simplement complice. Bon, en tout cas, mais éducation, population, pas fait tout. Nous, ouais, tout ça qu'on dit au niveau du Parlement, niveau débat dans le Parlement, son bagaille qui fait pitié. Son bagaille qui fait pitié, le rap gade, ça n'est le grand corps, l'Assemblée des sages. Et au te dit, le Parlement, c'est le lieu de débat par excellence. Justement, capable d'un débat contradictoire, confrontation d'idées de façon dialectique, bien entendu. Et puis, n'a regardé tout ça qui a passé dans le Parlement, ça n'est pas obligé de descendre pour nous rapporter des cas précis. Mais en fait, c'est le peuple qui les a choisis. Donc maintenant, en tout cas, son choix que Mounio fait. Parce que c'est pas certain que Mounio choisi à ce qui est meilleur. Mais quand, en fait, si le peuple a choisi, le peuple est souverain. Donc, Mounio choisi après un bord, c'est lui-même. Et c'est ça. Oui, parce alors. Nous n'avons pas le choix de, pour nous couper nous. C'est ça. Son problème qui mérite, son problème de société qui méritait pour nous garder là avec plus retenue, avec plus profondeur. Parce que moi, je connais qui sensibilité pour le Parlement, avec parlementaire, son pouvoir m'aimer, m'apprécier. Parce que l'on a regardé ça a gagné comme mission, la loi a fait comme travail. Et si effectivement on a joué au Parlement qui exerce ces missions à 50-60%, c'est sûr que nous avons commencé dans l'autre pays. Mais malheureusement, il n'y a pas conscient de rôle, il n'y a pas de capacité pour ça, il n'y a pas de volonté pour ça. Il préfère généralement fournir à l'exécutif là dans chercher ses intérêts personnels, ses intérêts mesquins au détriment du pays. Alors ça ne devrait dire Peggy. C'est vrai, son tristesse, l'on a un député qui n'est pas lit, un sénateur qui n'est pas lit. Il pas normal non pays des moun nan population sous qui base yo voté. Yo voté moun yo habitué avec là, moun yo konnen nan zone nan, moun ki konnen implike nan ti activité sociale, j'en ai dit yo mais moun yo pa gen un niveau capacité pour yo konnen le pou le choisir. Yo voté moun ki ba comme tout. Tout à fait, le pou le choisir un député ou un sénateur qui gabarit femme ou bien garçon le tadoué pour aller remplir noble mission ça qui c'est député sénateur légiférer, contrôler exécutif, faire débat pour société a mener quête sur les grandes questions de la vie nationale. Mounio pas une capacité, ça. D'où
nécessité pour nous investir dans l'éducation fondamentalement pour que le monde ne pral voter pour le connaître pour qui est qui va le voter qui responsabilité capte le monde sous basal pas qu'à voter n'importe qui est. Deuxièmement, et ça faut nous poser là avec plus rigueur me penser, et c'est là me condamner parlementaire yo begi. Si gon parlementaire qui rivé, OK, nous connons toute gens réalité, il rivé député ou bien sénateur. Mais quand même nous connaît, nous connaît limite li, nous pas capable prendre parlementaire ça qui limite Jean lié à Soubaz Sanabdilayo. Et puis c'est lui même nous mettait dans le bureau, par exemple comme premier ou bien deuxième secrétaire, c'est lui nous voter. Ça c'est nous qui avons voté. Nous avons dit, ah c'est vrai, les amis arrivés là comme député sénateur, pas de problème. Mais en essayant d'encadrer, il prend le travail dans telle commission, etc. pour fonctionner comme parlementaire, pour l'apprendre tout. Pour le monde, on va limiter les dégâts. On va limiter les dégâts. Non, non, pas du tout. Mais ce n'est pas lui même pour nous projeter. Pour les gens le monde est attendu des gens dans le pays, pour l'abdou, pour l'article 4, pour l'abdou, article Yves, pour l'email, pour l'abdou, email, dans la figure, c'est inacceptable. Nous ne pouvons pas rien contre député et sénateur dans cette situation. Mais quoi, au minimum, il a essayé. C'est comme ça, on fait un bureau, Peggy. Il y a des gens qui peuvent recevoir les gens pour le bureau à faire. Mais entre nous, faut que gon gens pour moun naye gon minimum maintenant ka gon l'autre nèg belle faut que les jeunes oui faut que les articuler maintenant gon l'autre nèg li même c'est écrit seulement la ka écrit et maintenant ça va ballon petit bureau ou l'autre côté en administration ou ba la condition réunie c'est écrit nèg ça après l'écrit c'est ça qu'on fait ou pas ka mettre monsieur recevoir moun ou gen pas ka mettre le même fait discours parce que li pas gen capacité pour ça. Donc, je pense que minimum ça, député et sénateur, tu as dû faire li, le collègue qui arrive dans le corps, et en fonction de ça, il y a comme capacité ou bien comme limite pour y orienter dans la commission qui a pas approprié mieux, ya, ou bien dans la place que vous avez exercé au niveau du bureau. Parce que le pas normal, chaque coup, mon bureau pral li, ou bien virer télévision, ou bien mal bayon blague pour ne pas attendre ça kap diyo. Estime le pas normal, et parlementaire yon est fort pour yon faire dans niveau ça parce que yon kon collègue yon, yon kon moun yon kon limite yon, yon kon capacité yon tout. Donc ça n'a pas sorti comme image là, monsieur dame. Fonti est fort pour nous offrir mieux parce que ça n'a pas offrir là, li vraiment pas intéressant. C'est vrai, on a mon problème, n'a pas proposé non, mais au niveau du corps, à nous gérer pour nous projeter une image et qui est digne, qui est intéressant parce que là, on a parlé d'un pays. Moi-même, ça a plus fait mal le soutien au Parlement parce qu'on est qui l'en moum gagne pour pouvoir ça, que c'est le pouvoir législatif qui s'est côté de essayer de garder ça, qu'a fait pour nous sauver Haïti. Mais malheureusement, on est loin d'être là. Tout à fait, c'est ça le constat. Et on salue au passage notre ami, maître Jean-Bernard Chéry, qui est avocat haïtien et basé en Floride. Alors, maître Jean-Bernard Chéry, qui rappelait que il y a un rebondissement dans l'affaire Guy Philippe, avec l'introduction de nouvelles pièces dites à conviction par la FBI. Et le report de l'audition de Guy Philippe, du jugement de Guy Philippe, ce sera pour le 1er mai prochain. Et Guy Philippe qui décidait plaider non coupable dans le cas de procès Sahara. Que en plus, Dieu. Il y a un report, il me fait 5-6 ans en prison, non? Oui, je pense qu'il n'y a pas qu'à reporter là encore parce que, bon, en tout cas, et FBI qui entrait des dossiers, bon, etc. M. Jean-Bernard Chéry signalait nous ça et nous t'ai parlé de ça tout en milieu de semaine. Bon, en tout cas, et son dossier que n'a pas suivi de très près, France. Oui, son dossier qui défrait la conique, qui suscitait un pile réaction et nous songeait député et sénateur parler de ça. Après ça, il y a eu un petit genre un cas, quoi, j'aimerais même dire. Finalement, une résolution qui est adoptée au niveau du Sénat de la République, qui voulait dire ça, le dire, qui n'a pas un caractère contraignant, certes, mais qui a attiré l'attention de l'opinion, qui suscitait débat dans les médias, sur les réseaux sociaux, tout qui est important. Donc, n'a pas suivi, ça va le bas au niveau de la justice américaine, qui a réuni dossier, et défenseur, avocat Guy Philippe, qui au même tour a réuni dossier pour comment qu'il fasse, on va laisser défendre monsieur, et dans le cas de jugement qui doit être fait, et j'en soutiens à l'acte de commencer. Et 1er mai, non, premier temps c'était mars, non, deuxième temps c'était 3 avril, pourquoi il est là, c'est 1er mai, parce que à chaque fois, et au fur et à mesure, il y a pas avancé dans le dossier, donc, il y a de nouvelles pièces que vous venez joindre, il y a de nouveaux témoignages, donc, il y a même tout cap défendre Guy Philippe avocat, il y a une documentation à réunir. Oui, donc, ça a expliqué que Gonti Tan qui fait en plus. Bon, parenthèse, je voulais nous ouvrir, Peggy, sur, qui concerne nous-mêmes secteur pas nous, et ces questions loi sous diffamation qu'a parlé, Il est probable que le Sénat revienne sur cette loi qui a été votée au niveau du Sénat de la République. Très bien.
recevoir texte là, moi c'est hier moi recevoir li et moi c'est les amis avec femme jeune ni parce que toute semaine n'm t'a parlé ça à auditeur, m'pas de couvler. Fait commentaire sous li parce que m'pas de gain texte là parce que moi m'pas jamais parler ça m'pas connait avec ça m'pas ouais. Même de faire deux considérations. Première considération m'de faire m'de dire que jodi a pas grand kenn monde qui ka mettre babouquette dans bouche la presse. Ça la société a pas accepter parce que son acquilier grand pile bataille qui fait pour ça. Donc la presse doit ka fait travail li et pour l'éclairer population, informer, former, faire analyse côté gain problème, cibler pour l'état agir etc. Cependant, faut que nous d'accord tout gon forme pour le fait gon gens pour le fait. Question comme son excite à la caille, il ira aller téléphone ni. Et puis il dit tout ça le sous Fritzner Jean-Louis, il voit elle sous toutes réseaux sociaux et puis là l'aise pour le faire là, ça ali inacceptable. Question yo dit ou bien ça au penser ou bien problème ou gon monde qui gars monde dans ça yo inacceptable c'est des dérives si gain disposition qu'a prendre pour freiner yo moi je suis pour cependant j'aime dire là et question comme si tentative pour ta essayer mettre babouquette empêcher la presse parler ça nous croit que le pape passer donc m'attendre m'approfondir texte là et avant que m'entrer en détail sur lui mais et de manière théorique ces considérations ça on te faire sur débat ça que me fait avec plusieurs amis notamment sur réseaux sociaux moi tellement approuvé soit dit hein, parce que c'est exactement position moi pratiquement pas parler opinion encore parce que mando c'est totalement ça qu'on soit dit parce que en réalité moi même mon réflexe juridique depuis avant ta faculté de droit donc faut que société a régulé. Faut que société a régulé. Il y a un problème qui gagne dans la presse. Qui est journaliste qui ne l'est pas? Son bail qui presque pas défini. Son bail qui presque pas défini dans pratique là. Parce que bon situation. Moi, il faut vous nous faire dans ce secteur. Ou même comme journaliste professionnel qui était dans l'université, qui étudiait communication, qui a exercé, ou qu'on façon que comporte. Voilà qu'on nèg pour une raison pour l'autre nèg là atterri dans micro. Il tombait dans un micro. Oui, nèg là dit salve, nèg là fait salve. Et pour l'arrivée de la population pas toujours en mesure pour faire décantation. Hein. Pas commander population pour faire gros travail ça. La joue dans radio, il était dans des journalistes qui disent c'est la presse qui responsable problème pays. Pas commander nèg là pour faire décantation. OK, France lui-même, lui étudie à l'université, ça l'a fait à ses métiers lui, ils sont professionnels de la communication. Et que tel l'autre monde lui-même, c'est un parachuté, son militant qui gagne accès à un micro, etc. Et bah, ouais, ça, son exercice que 5% population peut-être ou commander pour le faire. Mais on va commander le gros de la population pour que lui fait exercice pointu, ça, justement. Donc, et nous, pour mettre l'autre là, car nous. Je suis pour une. Faut qu'on travaille qui fait dans le secteur. Ouais. Je suis pour une régulation du secteur. Je suis pour une régulation du secteur. Cependant, même bémol qu'on mettait, hein. Et on t'a dit il y a deux semaines, parrain, si un pouvoir politique t'a pensé que jodi al ka met babouket dans la presse, dans bouche la presse, et tant comme dans le secteur ça fou, ou bien ça il t'a vu sur l'autre planète. Société a campé comme un seul homme. Il t'a vu sur l'autre planète, donc il pas te connaît comment le monde là peut voler. Car toujours, il y a une tentative de dérive, et société civile là même a bail réponse pour bail, etc., jusqu'à ce que bac l'en fait, etc. Bon, naturellement, la liberté de la presse sont lieu perpétuel. Son lieu perpétuel que lié dans tous les pays du monde. Mais fondamentalement, je suis pour une régulation du secteur. Mais question. Bon, alors, c'est un niveau que vous mettez l'ordre pour travailler la fête de manière plus professionnelle. Absolument. C'est absolument. Et travailler ça à l'important. C'est vraiment fondamental. Absolument. Moi, commencer l'île tout parce que moi, le sous-groupe que moi, avoir gagné en commun, que moi, voilà dans l'an. Moi, commencer l'île, peut-être, moi, je vais sur l'article 6. Et moi, pour qu'on finisse l'île, m'a continué l'île pour moi. Peut-être nous avons retourné parler de l'île. C'est ça. Mais j'ai appris, selon le sénateur Patrice Dumont, le Sénat de la République serait sur le point de revenir sur cette loi. Et il y a des discussions qui seront engagées très bientôt entre des secteurs. Retournez sur l'île, qui sont dans la NMH. Retournez sur votre land. Et qu'on fait ça, hein? Non, mais là encore, c'est pas intéressant parce que. Bon. Qui a empêché que tu es engagé pour parler avec des secteurs clés sous question? Par exemple, la presse, l'association de journalistes, l'association de patrons, et l'autre avocat, et population en tout. Pour qui ça n'a pas fait ça? Là, ça a recueilli des avis divers, des opinions.
opinion contraire, et puis tu as une idée pour que ça été pressé à adopter les picounia a une possibilité pour retourner sur le pouvoir. On a parlé donc pouvoir, on a parlé du Sénat. Faut monsieur Damio plus alors, sérieux. Alors dans la première intervention nationale pour voter à la Chambre des députés. Absolument, dans première intervention président élu à l'hôtel Best Western peu avant son peu après ça la confirmation de son élection à la présidence de la République, Jovenel Moïse en avait parlé. Il en avait parlé et c'est presque certain que c'est en termes de suivi que ça fait la fête. Mais peut-être on m'a dit marché marcher pressé, t'es cagé. Nous l'idée là bien avant. Pas oublier son proposition du sénateur Edwin Zeni. Oui, mais oui, ça bon. Va même qu'on a fait de Jovenel Moïse. Edwin Zeni, c'est. L'idée là bien avant. Et d'une zénith, oui, c'est Jomo, etc. Oui, oui. Bon, hier, c'est ça. Jovenel Moïse, c'est parlé de ça que Bralvin a fait. Effectivement, il votait. Seul, ça m'estimait que il votait de à la va-vite, ça a un bac au pays, a tes besoins. Oui, c'est un problème qui est important. C'est une question qui est extrêmement sensible. Faut nous prendre temps, nous, pour nous débattre sous lit, pour nous recueillir des avis, pour essayer de dégager quand même au moins compréhension de texte-là, ça nous voulait faire, ça lié. Et puis, on a pas avancé. Je vais te dire, c'est justement ça qui arrivait, oui. C'est tout ça qui a fait que au pompon l'État voyou délinquant, oui. Aux yeux de l'international, lorsque le Sénat de la République comme institution a voté une loi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les études préalables ont été faites et étudiés conclus à importance votre loi dans le terme que le voter. C'est ça veut dire, oui. Parce que le Sénat, c'est pas n'importe quelle institution. Ensuite, il y a des consultants, des experts en droit constitutionnel. Et il y a des moyens pour faire tout ça. La loi a des moyens pour gagner des consultants. Absolument. Pour mais la société a dit qu'on fait une bonne décision. Votons loi. Et puis qu'on n'y a pas annoncé pour la possibilité pour retourner sur l'île. C'est très malheureux. C'est pas que on compte retourner sur l'île. Mais ça va dériver. Mais c'est ça va dériver comme ça. C'est que à la Jean était fait la lava vite là, il était presque paraît ton bail qui suspecte comme si on marchait pressé, effectivement, ça m'a des concertations avec le secteur pour que bail secteur a garanti que bail secteur a garanti que c'est pas en forme de persécution, etc. Donc, oui, moi-même, c'est position par c'est rapport ça. Alors, faut nous dire tout. Et c'est vrai, bon, la presse nous est qui wall li joué dans le pays, notamment depuis après la chute des Duvalier en 86, et qui j'ai la presse vient jouer un rôle important, qui j'ai la presse lié à vie population en lui-même. Mais c'est Peggy, fondamentalement, son société qui est en crise, c'est tous les secteurs. Qui tout prend secteur presse, ou prend secteur gain avocat, ou prend professeur, tout secteur, il y a vraiment crise. Yeah. Parce que, ou jouent des institutions, mais des personnalités qui liées à chaque secteur, ça yo, qui gagnent des comportements hors la loi, ou bien des comportements pas gagnés pour chaque pays. Donc c'est ça qui fait me passer, et tu n'es pas qu'on a parlé de conférence nationale. Et jeudi, Jovenel Moïse a parlé des états généraux sectoriels et de la nation. Bon, c'est finalement, faut que nous fassions. Faut que nous fassions pour que professionnels dans chaque secteur, dans tout pays, il y a finalement secteur par secteur qui s'en a fait avec. Parce que quel que soit le secteur prend la PEGI, il y a une crise. Pas une institution, je veux dire, il n'y a pas une union qui marche selon les règles, selon les normes, mais pas gagné. Parce que c'est chaque monde, chaque petit groupe qui a fait l'intérêt, l'intérêt dit pas de problème. C'est ça qui est comme pays. Et justement, c'est pas ça qu'on a besoin pour avancer. Tout à l'heure, nous avons parlé de subventions, mais c'est normal oui, pour payer l'argent lié. Alors, on a des quantités de millions qui ont gaspillé, mais c'est normal pour ne pas gagner une route, pour ne pas gagner l'hôpital. Ça va nous étonner personne, puisque tout million ça a eu. Quand je viens de quelques grandes institutions qui ont pris l'affaire personnelle, yo, yo t'es devenu au service pays. Mais puisque pas de disposition pour sa fête, donc c'est personne pas doué étonné. L'autre l'hôpital fait 5-6 mois en grève, l'autre n'est pas contre le gaz d'hôpital général, l'autre n'est pas un courant, et puis mon a mouru. Donc je pense définitivement, faut que nous arrivons côté pour nous camper, pour nous parler, pour nous dire ça qu'a fait. Parce que nous allons continuer comme ça. Tout à fait, dossier qui gagne un rapport avec la justice, l'ancien président Jean-Bertrand Aristide a été au cabinet d'instruction en début de semaine. Oui, Jean-Bertrand Aristide est présenté, c'est devant juge Jean-Wilner Morin. Absolument. Et sous question enquête sous blanchiment, cap mené sous Jean Nazaire, c'était un proche ancien président, sécurité li. Monsieur gagne de grands investissements, il fait dans le pays, donc il y a des soupçons blanchiment sous lui. Donc la justice est estimée le nécessaire vu collaboration, monsieur. Sur Teguin, pour l'étendre, ancien président.
C'est pas la première fois que ça a été fait d'ailleurs. Et t'es gon vice de forme, d'après sa avocat, lui a dit l'invitation. C'était 2016 au lieu de 2017. Mm-hmm. Donc finalement, je vais être arrêté de présenter. Et sans surprise, j'en sais toujours, il y a gagné quelques centaines de militants qui devant la rue. Il y a un peu de temps. 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 Il y a un incident qui passe. Il y a un dans le cabinet d'instruction sous la rue, et il y a tiré, il y a monde qui est blessé, etc. Premier élément, il y a une tapette de plusieurs responsables, voilà, Stéphane Conné, c'était attaque contre le président, etc. Pas d'arrestation que fait. Au passage, je me le sénateur Feuillet. Il sera avec nous samedi prochain. Mm-hmm. Malheureusement, monsieur, on contrait, mais samedi prochain, il y a un sénateur Feuillet de famille Lavalas à Venn dans le moment. C'est ça, monsieur est intervenu sous plusieurs médias pour te parler de ça, comme quoi c'est ton attaque, etc. Il faut gagner à la justice qui agit peu après, et la police t'a pas le démenti. Situation ça a été estimé c'est laissé frapper que tu gagnes entre des sympathisants, tu gagnes un coup de roche, tu gagnes tiré, donc c'est pas forcément chef ancien chef l'état qui t'est visé dans l'incident. Bon, heureusement j'avais un récit pas de gagner, il était entré la Kaeli et il était passé plusieurs heures avec juge Jean-Wilner Morin sous question ça. Tout à fait. Bon, en tout cas, un incident regrettable à déplorer, parce que quand même il y a monde qui est blessé qui prend soin l'hôpital là où on a parlé là. Absolument, tout à fait. Et gagner une nouvelle victime dans les rangs de la police, Rénal Fortuné, ce policier de 36 ans qui faisait partie de la 18e promotion et qui était affecté au service de la circulation. Et bon, il a été atteint par balle et monsieur parti. Monsieur Mouri, c'est ça. C'est très malheureux. Bon, en tout cas, et c'est sa réalité. Hein, et chef de police, là, en parlant de ça, dit le pas présenter excuses. Monsieur dit que je ne pas signé un accord, je ne pas ratifié un accord, je ne pas excuse que je présente. Mais c'est pas pour ça que vous demandez, monsieur, de présenter. Peut-être qu'il a oublié. Alors, c'est dossier en général, et monsieur profiter pour renouveler détermination pour lutter contre trafiquants de drogue. Oui, mais c'est pas pour ça que vous demandez, Michel Angélé, en présenter excuses. C'est parce que le président Sénat à l'époque, sénateur Ronald Larèche, et plusieurs autres sénateurs ils ont estimé qu'ils étaient sur bon à fond au niveau de la DCPJ parce qu'ils étaient bousculés, monsieur, poussé les lunettes qui sont tombées ou pas de l'entrée. Donc ils ont estimé traitement pas digne donc président sénat de sénateur tout. Donc sous base ça ils ont demandé pour DG la police là à que DC Normil Rameau, le directeur central de la police judiciaire, ils ont présenté excuses pour l'incident qui est arrivé là. Bon, monsieur dit semblé au pape Feli et donc non, pas semblé là, pas même semblé, il n'y a pas fait. Il n'y a pas fait. Je ne dis pas fait. Réalité à je ne dis pas manger pour un pop caca. C'est ça, c'est un cas. Et ne déblier la police là, sont l'autre institution encore qui est en crise, grand pile problème. Grand pile problème, messieurs, dames, policiers, au cap font travail qui est important. Mais en pile fois, c'est incompréhension, c'est insatisfaction. Et moi, grand pile, en pile, policier, je viens avec eux. Et on aime ces nègres qui marchent tout le soir. Donc, en pile fois, je dialogue à messieurs, dames, il y a grand pile problème. Et il y a des fois, je viens de dire que tu es en retard, il y a une question d'assurance, il y a une question de l'heure où il mourit, proche, il y a des difficultés, il y a un accompagnement, il y a un bail pour rejoindre. Donc il y a des problèmes qui méritent de poser, suivi dans la question de formation et question de grade, Jean-Lban, d'institution, il y a pile frustration. Donc nous pensons vraiment, état général, fondamental et conférence nationale, la Chita Palea, pour nous dire qui ça n'a pas fait. Parce que Jean-Lban est là, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Tout à fait. Et puis dans ce moment tout, c'était Journée internationale de l'eau. Et ils ont fait sous question les eaux usées. Et bon, nous connaissons l'importance de l'eau dans la vie monde, France, et l'accès à l'eau potable. Moi, reconnaître que pendant les 15 dernières années, il y a des avancées qui sont faites. Dans ça, le traitement de l'eau par osmose inverse. Et je dis, gagner quand même un peu le monde qui connaît que gagner en structure d'avoir un business pour traiter de l'eau côté mon acheté 5 gallons. Pas toujours dans de bonnes conditions, mais il y a quand même un pas qui a été fait. Mais beaucoup reste à faire parce que quand même, nous pas prêts à garder le monde qui a pu boire de l'eau traitée. Que ce soit l'eau colligane ou l'autre de l'eau, miracle, etc. Minimum d'efforts qui fait, il faut l'admettre, par rapport à la réalité que nous avons gagné il y a 20 ans, mais beaucoup de chemin reste à parcourir. Non, mais il faut dire tout, il y a 20 ans, nous avons gagné quand même
ni t'es quand même t'es gon gon effort t'es qu'on fait côté monde t'es gain de l'eau t'es qu'on gain problème mais globalement t'es bon en premier temps l'un vient gon dégradation accélérée de l'environnement côté que n'a coupé pied bois n'a moun construit n'importe qui côté moun fait toilette n'importe qui bon tuyau vient tomber cassé en pile côté de l'eau vient polluer vient bailler problème mais on te gon camep qui était sous la graba que l'état t'es qu'a investi là dans pour membre bon camep t'es bailler de l'eau tant bien que mal yo crasé le jeudi à revenir à un dîner pas décider mon pas bailler de l'eau du tout lui-même donc c'est ça gagné comme réalité je dis à vous n'êtes obligé ce camion de l'eau à acheter et puis c'est de l'eau traitée obligé acheter souvelé gon minimum mais comme sous calage vent tout bailler de l'eau dîner pas pour boire qui on fait ça et pas vraiment servir avec soit le sous boire ou pas vivre 120 ans. Non, madame Jambouë. Ou bon objectif 120 ans ou pas vivre là. Madame Jambouë en de l'eau publique. Madame Jambouë en de l'eau publique. Donc, à un niveau ça, l'État encore pas existé. Donc, c'est important. Mais n'est-ce pas avec Guy sous télévision là. Oui, donc, sous chaîne 56. Donc, c'est important. L'État qui pas existé. Il y a pile travail qui mérite fait et pour nous parler dans différents secteurs pour nous connait ça la fait enseignants dit pas oublier on connait ça et professeurs qui gagne pile problème ministère de l'éducation nationale qui gagne pile travail vraiment capitaine ni qui c'est monde qui nommé pour qu'on toucher les syndicalistes qui revendication et monde qui contractuel dans l'état pour qu'on nommé qui travaille véritablement l'autre qui pas gagne lettre mais qui est dans système là qui travaille qui fait pression sur l'état la fameuse question du psugo. Et nous t'étendons ministre et Agenor Kader dans l'intonisation, nous t'étendons abordé question ça, elle dit c'est une priorité le gagner, lui-même avec équipe li rapidement pour aller pencher sous question ça, pour mettre l'ordre. Et nous des anciens ministres de l'éducation nationale, notamment Reginald Paul, t'es là, plusieurs parlementaires, président commission éducation, t'es là, l'installation nouveau ministre de l'éducation nationale là, Agenor Kader. Et Jean-Boulevard Dorson t'es fait un discours bilan de passage li dans tête ministère ça, pendant le t'as passé ma lettre là, Agenor Kader. C'est deux bons amis, ils travaillent ensemble dans le système là. Et il te souhaite à Agenor Kader bonne chance et pour le réussir. Il demande personnel MENFPA collaborer avec ministre Kader pour le réussir dans une gros mission ça le gagner pour ses travail pour remembrer le système éducatif là. Même Jacques tout respect il y a qui malade. Tout à fait, France. Je pense que nous avons pratiquement fait le tour de l'actualité de la semaine. Dans quelques instants, on va passer aux invités pour analyser la conjoncture sociopolitique. Alors, n'a pas salué ancien député Jean-Laurent Nelson, qui sont bons auditeurs de Moment Vérité. Ancien journaliste, oui. Alors, monsieur toujours journaliste, peut-être. Alors, monsieur son ancien correspondant de Radio Nationale au Gonaïve, donc vers les années 80, 90. Tout le monde était content de Jean-Laurent Nelson. Ancien député du peuple. N'a pas salué en pile ami et dans Pétionville, hein. Et Namalik qui branché. N'a pas salué Esperancia Moïse qui sont fait avant auditrice à Marlik qui branché. C'est venu à nous pas oublier. Et puis hier soir, la sélection nationale là quand même fait qu'un pile haïtien content. Ou pas tellement fanatique football ou même. Et Haïti Cali Nicaragua, toi voilà. Depuis Haïti a joué ou qu'on est mandément. Depuis Haïti a joué. Et il a joué à Brésil. Et les Haïti a joué à Brésil. Haïti a joué à Brésil pour Haïti. C'est pas mieux. Moi c'est fanatique. Après Haïti, c'est fanatique argentine. Ah bon? N'a qu'à faire Brésil. Et fanatique argentine. Ça vaut ça. Ah, mon cher, pas de quoi ça, mon cher. Je pense que fanatique malade Brésil. Toute équipe sport connaît ça. Ok, donc Haïti gagne 3, hein, c'est oui, intéressant. Et nous avons joué avec la CAIO. Donc, monsieur, tu as fait plus de goal. Bon, c'est toujours comme ça. Et nous, le président Jovenel Moïse, vous êtes ministre, pilote officiel, le ministre, descendent dans le match là. Al chauffe Grenadier qui font belle victoire. Mais ça qui t'est étonné, me dit vraiment pile moun, me bat penser ça. T'es gagné pile moun dans ce stade là. Malgré la pluie, malgré la situation, vraiment, moun yo vont l'autre pays. Moun yo t'a remé gon bagay qui fait. Mais malheureusement, nous pas qu'on garde décoller. Mais est-ce qu'on est France? Félicitations au Grenadier et toute équipe staff technique national là. Tout à fait. Donc, me pensez que sélection nationale là, que l'État. Il y a bataille là pour y aller dans le Gold Cup. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'on est si Haïti a joué avec Brésil. Est-ce qu'on a des Haïtiens qui jouent dans l'embarras du choix ou pas qu'on s'approche? Dans l'embarras du choix, il y a Haïtiens pour Brésil. C'est comme dans l'embarras du choix. Il y a Haïtiens pour Brésil, mon cher. Mais c'est grave, France. Ça va gagner non, ou dit c'est grave. Ça va gagner non, pays où on joue ou l'autre pays pour l'autre pays. Ça va gagner non, mon cher. Alors, on salue nos amis de Radio Haïti International et. Alors, Radio Haïti Plus, dans Petite Rivière de l'Artibonite. Alors, pensez que t'es commencé, hein, Odim, c'est un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres, n'est pas victime. Il est tout simplement complice,
C'est une pensée de George Orwell. Il y a des fois, tout le monde ne pas connaît. Eh bien, voilà. Eh bien, le peuple n'a pas connaît, c'est la responsabilité. C'est la faute des élites. Exactement, ça me dit, c'est la faute des élites. Dans la presse. Dans la presse. Absolument. Oui, sûr. Oui, tout à fait. La presse, là, change le problème. Tout, même j'ai respecté. Faut pas dire un bagage. Le citoyen n'a pas connu comment pour le voter. Mon citoyen n'a pas connu comment pour le traverser la rue. C'est pas extrêmement grave. C'est pas extrêmement grave. Justement. Donc, c'est à travers l'éducation que nous sommes capables de construire type de citoyen. Moi, je dis toujours ça. Le Wallon pays, tant pour les États-Unis, ou pourquoi j'aime mon monde qui ouvre un pote qui n'a pas qu'un bel pour le monde qui vient d'elle là. Ou dit thank you, do you welcome. Li entre dans le mode de vie. Li entre dans le mode de vie. Donc, si mon nom, depuis le commencer l'école, il commence à intérioriser les valeurs. Épouser. Donc, justement, c'est à travers l'éducation qu'on est capable de fomenter, capable de former type de citoyen qu'on voulait, hein, qui est capable d'un promoteur, d'un acteur au changement. C'est ça, même j'ai une question à la docteur, à son culture liée, parce que nous pas gagné la culture, nous avons pratique, nous c'est quelques grands monde parce que j'ai ici un fonctionnel toujours quoi, dans petit téli et dans petit compresse li, c'est le pas bon, même c'est le parce que mourir la docteur. L'elle récit à l'éa, docteur a ballon traitement pour 7 jours. Sous 3 jours, le fait mieux le dit moment forme. Donc, c'est comme ça ne fonctionne malheureusement. Or, dans un pilote pays, on a un jour le rendez-vous médical, soit pour aller faire check-up, mais pour aller faire suivi. Il va pas le travail, je ça, parce que l'agenda, c'est une chance pour essayer de sortir dans sa nuit là. C'est ça. Eh ben, on va dans quelques instants passer aux invités. On salue notre ami Edwin d'Haïti, en direct de Paris, qui est branché Moment Vérité. Nous saluons un pile d'amis Paris qui est connecté avec nous. Gagnant Jacques André Pierto à Paris qui est branché. Nous saluons un pile jeune haïtien en Belgique qui est à l'université. Nous te saluons amis Ottawa dans Royal Salon à Ottawa côté et attendez Moment Vérité en pile au cœur de d'Ottawa. Nous saluons nos amis à Montréal. Hein? Du Kenson Lazare. De la direction de communication de l'OAVCT. Salutations, chers amis. Bien. On va marquer la pause au retour de la pause.